Revolution. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une toute petite vidéo, mais qui peut rendre service à énormément de gens. Pour l'instant, c'est accessible qu'avec Android, mais apparemment, dans un futur, on pourra s'en servir avec iOS, avec notre iPhone, voire même notre iPad. Pour l'instant, c'est accessible Android. Je voulais vous faire la petite démo avec le Google Home. Ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est tout simplement, si vous êtes quelqu'un de pressé, qui parfois vous posez votre téléphone un peu n'importe où dans la maison, vous ne savez plus où vous l'avez mis, et vous avez votre ami le Google Home, eh bien tout simplement, on va pouvoir lui demander de chercher notre téléphone, et le Google Home va directement nous demander si on désire le faire sonner. À ce moment-là, on va lui lancer la commande, et instantanément, notre téléphone, je répète, sous Android, va sonner. Alors, on va tout de suite passer la commande. Chercher mon téléphone. Je peux faire sonner votre téléphone SMG 950F à plein volume sur le champ. Voulez-vous essayer ? Oui. Très bien. Votre téléphone devrait sonner maintenant. Alors, comme vous avez pu voir, c'est instantané. Malheureusement, iOS, pour l'instant, on ne l'a pas. Apparemment, lorsqu'on voudra se servir avec iOS, il faudra que vous alliez dans les paramètres de votre compte Google et inscrire votre numéro de téléphone de votre iPhone. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je l'ai testé. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos pour que vous puissiez essayer vous aussi si vous perdez votre téléphone. Alors, je trouve cette solution plutôt pas trop mal, puisque d'habitude, on prend ou sa montre pour repérer notre téléphone ou un téléphone fixe. Tout simplement, on lance cette commande. On a deux commandes, donc c'est chercher mon téléphone ou faire sonner mon téléphone. Je peux faire sonner votre téléphone SMG 950F à plein volume sur le champ. Voulez-vous essayer ? Oui. Très bien, votre téléphone devrait sonner maintenant. Voilà donc, vous allez voir, aujourd'hui, il n'y a que Android accessible avec ce système, mais on espère rapidement voir cela arriver pour iOS. Par exemple, cherche mon téléphone. Je peux faire sonner votre téléphone SMG 950F à plein volume sur le champ. Voulez-vous essayer ? Non. Malheureusement, pour l'instant, je peux seulement faire sonner les deux derniers téléphones Android que vous avez utilisés. Voilà, donc comme vous avez entendu, il n'y a que deux téléphones qui peuvent sonner et ils sont obligatoirement sous Android. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je vous tiendrai au courant sur les prochaines mises à jour Google Home et sur les prochaines applications qui vont se mettre sur notre Google Home, à partager cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous pour une prochaine. Ciao !